seront toujours vertes. Elles ne seront fermées ni des jours ni des nuits afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Isaïe 60 verset 11 de 23h30 à 0h30. Célébrant Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia, Révérend Père Jean-Claude Banabia Chia et le Révérend Père Mathias Ngora Chia en direct sur Facebook Live et YouTube 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12. La divine liturgie d'ouverture des portes du mois. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse cathédrale Théotokos organise la divine liturgie d'ouverture des portes du étape de notre liturgie, demandez à tous les séraphins, aux chérubins au trône, à tous les anges supérieurs qui pavent le chemin pour le roi des rois de venir prendre le contrôle de ces instants. Partout vous êtes, chantons avec le ciel l'hymne des chérubins. Et demandons que Dieu, en ce mois de décembre, nous introduise dans un mois fécond, dans un mois de bénédiction et dans un mois de faveur. Vous n'avez rien perdu, vous tous qui venez de vous connecter. Nous sommes à la liturgie eucharistique, nous sommes à la grande entrée, nous sommes au cœur même de notre célébration. Pendant que vous savez quoi faire pour activer tous les algorithmes de Facebook et de YouTube, chantons l'hymne des chérubins et laissons nos cœurs être séduits par l'amour de Dieu. Pendant que vous vous connectez, pendant que vous nous retrouvez, pendant que vous prenez vos aises pour ce moment important avec le diacre, nous levons nos offrandes, nos sacrifices de ce soir pour la traversée en faisant monter toutes nos prières. Ceux qui ont des requêtes de prière, levez vos requêtes de prière, ceux qui nous suivent en direct. Envoyez-nous vos requêtes en direct pour que nous vous prenions en charge. Nous prenions vos attentes, nous prenons vos demandes en charge au cours de cette liturgie de traversée des portes de novembre à décembre. Dernier mois de l'année, dernier mois important, mois qui est un pont, mois qui est un mois pour arriver en 2024, mois de tous les espoirs, mois de toutes les attentes, mais aussi malheureusement pour certains qui ne sont pas avertis,
mois des inquiétudes. Faisons donc monter toutes nos prières. Vous tous qui nous suivez, que chacun laisse son offrande pour cette transaction de ce soir, pour avoir assez d'énergie spirituelle pour le passage de 2023, plutôt de novembre à décembre. Avec nos frères diacres, que nos Kyrie eleison retentissent dans les cieux et que nos attentes et un exaucement en décembre pour une nouvelle année glorieuse se fassent retentir dans tous les lieux spirituels. Accomplissons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Pour cette sainte chapelle, Saint Basile, et pour ceux qui pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute tribulation, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Demandons au Seigneur que toute cette journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché. Accorde, Seigneur. Demandons au Seigneur un nom de paix, guide, fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps. Accorde, Seigneur. Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes. Accorde, Seigneur. Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes ainsi que la paix pour le monde. Accorde, Seigneur. Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence. Accorde, Seigneur. Demandons au Seigneur une fin de vie chrétienne sans douleur, sans honte, paisible et une défense valable devant le redoutable tribunal du Christ. Accorde, Seigneur. Fais en mémoire de notre toute sainte immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Et de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. Par la miséricorde de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que dans le même esprit nous confessions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trinité consubstantielle et indivisible. Est au milieu de nous. Il est et il sera. Bien-aimés, quelque chose d'important pour cette traversée, nous vous en supplions. Je ne sais pas quelle blessure, je ne sais pas quel poids, quelle charge tu portes depuis le début de l'année, mais ne rentre pas, s'il te plaît, en décembre avec tout cela. C'est pourquoi nous donnons la paix. Réconcilie-toi avec même ton ennemi. Prie pour lui, fais-le du bien. Alors tu es sûr que ce mois de décembre sera un mois fécond qui te propulsera vers une nouvelle année de victoire. Dans le nom du Christ, je donne tout mon cœur à ma sœur, sœur de Jésus. Dans le nom du Christ, je donne tout mon cœur à ma sœur, sœur de Jésus. Dans le nom du Christ, paix et joie, mon frère, paix et joie, ma sœur, sœur de Jésus. Dans le nom du Christ, paix et joie, mon frère. Paix et joie, ma sœur, paix et joie, mon frère, dans le nom du Christ. Les portes, avec sagesse, soyons attentifs. En confessant le symbole de notre foi, c'est tout le résumé, c'est toute la balise que nous voulons mettre à notre bénédiction. C'est pourquoi faisons cette confession pour dire que Dieu nous bénit parce que nous sommes ses enfants. Parce que nous croyons en lui. Disons ensemble avec foi, donc,
Cette prière, ce credo qui est aussi un puissant moyen d'exorcisme en réaffirmant notre foi en ce Dieu tout-puissant. Disons, je crois en un seul Dieu. Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qui est monté aux cieux et est assis à la droite du Père, qui reviendra avec gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, vivificateur, qui possède du Père, qui est adoré et glorifié, avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, et en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs à offrir en paix la sainte oblation. Miséricorde de paix, sacrifice de louange. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit soit avec vous tous. Et avec ton esprit, tenons haut les cœurs. Nous les avons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Il est digne et juste. Il est digne et juste de te chanter, de te bénir, de te louer, de te rendre grâce, de t'adorer en tout lieu de ton empire. Car tu es le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours existant et toujours le même, toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint. C'est toi qui, du néant, nous a amenés à l'existence, qui nous a relevés après notre chute et qui n'a cessé de tout faire jusqu'à ce que tu nous aies élevés au ciel et nous aies fait don de ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit, pour tous les bienfaits répandus sur nous, connus de nous ou inconnus, manifestés ou cachés. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné recevoir de nos mains. Bien que tu assises des milliers d'archanges, des myriades d'anges, les chérubins et les séraphins aux six ailes, aux yeux innombrables, se tenant dans la hauteur et allés, entonnant l'hymne de victoire, chantant, criant, clamant et disant. Chantons l'hymne des chérubins, demandons encore aux anges de tout disposer pour nos exaucements. Nous aussi, avec ces bienheureuses puissances, ô maître ami des hommes, nous nous écrions et disons, tu es saint, tu es très saint, toi, ton Fils unique et ton Saint-Esprit,
Tu es saint, tu es très saint, magnifique est ta gloire. Toi qui as tant aimé ce monde qui t'appartient, que tu as livré ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et lui, étant venu, ayant accompli tout ton dessein sur nous. L'agneau fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde. Ayant pris du pain dans ses mains saintes, pures et immaculées, ayant rendu grâce, l'ayant béni, sanctifié, rompu, il le donne à ses saints disciples et apôtres en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous en rémission des péchés. Amen. Que ceux qui parlent la langue de notre royaume prient en langue. Bazoule que te le bochakara bazo. Aïtra kata le bazo. Rakata la bazo. Après le repas, disant: buvez-en tous, ceci est mon sang, celui du Nouveau Testament, répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Amen. Chantons la langue de notre royaume. Faisons donc mémoire de cet ordre du Sauveur et de tout ce qui était fait pour nous, de la croix, du tombeau, de la résurrection au troisième jour, de l'ascension aux cieux, de la session à la droite, du deuxième et glorieux avènement. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Élevons encore à notre frère Diacre notre cœur. Demandons à Dieu de nous disposer. Rendons-lui d'éternelles actions de grâce. Pendant que vous continuez à liker ce moment, à mettre des cœurs, à vous connecter et à continuer de nous envoyer vos requêtes de prière. Croyez que l'exaucement est à portée de main. La grâce de Dieu nous visitera sûrement. Peuple d'ici et d'ailleurs, peuple de Dieu, homme de bonne volonté, frère en humanité, il est l'heure où notre Dieu, par le mécanisme divin, dont les dieux ont le secret, va transformer la substance du pain et du vin en son corps et en son sang. Pour tous qui êtes connectés, nous prions spécialement pour vous. Nous prions spécialement pour vos malades. Et ce soir, au cours de cette Eucharistie, pendant que le Seigneur s'apprête à descendre sur cet autel, il nous a donné
une révélation importante ce soir. Il a dit à Chia, dis-leur avant que je le descende, que pour que je puisse ouvrir la porte de la destinée, il y a aussi des portes qui doivent fermer. Et c'est juste que là, ils n'ont pas expérimenté la bénédiction de ce moment. C'est parce que ces portes qui devaient être fermées n'ont pas été fermées jusque-là. Et alors, quand je rentre, je sors. Parce que rien ne me retient à l'intérieur de Dieu. Bien-aimé, tout ce qu'allons communier, physiquement ou en esprit, que cette sainte présence ne nous quitte pas. C'est pourquoi je vous en supplie humblement. S'il y a des portes à fermer, il nous faut les fermer. Amen. Pour que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies pour ce mois de décembre. Nous t'offrons encore ce que spirituel et non sanglant. Nous t'invoquons. Nous te prions. Nous te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons ici offerts. Bénis Maître, le Saint Pain. Et fais de ce pain le précieux corps de ton Christ. Amen. Bénis Maître, le Saint Calice. Et de ce qui est dans ce calice, le précieux sang de ton Christ. Amen. Bénis Maître, l'un et l'autre. En les changeant par ton Saint-Esprit. Amen. 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 En sorte qu'ils deviennent pour ceux qui communient, physiquement comme pour ceux qui spirituellement nous rendent visite à cette heure, sobriété de l'âme, rémission des péchés, communion du Saint-Esprit, plénitude du royaume des cieux, assurance auprès de toi et non pas jugement et condamnation. Nous t'offrons encore ce culte spirituel pour tous ceux qui reposent dans la foi. Et qu'à cette heure de grand passage, nous appelons à venir nous exaucer à prier avec nous. J'appelle ici, en cet hôtel saint, les habitants à prendre l'échelle de Jacob, nos ancêtres, pères, patriarches, prophètes, apôtres, prédicateurs, évangélistes, martyrs, confesseurs, ascètes, et tout esprit juste ayant achevé sa course dans la foi. Et surtout, pour notre souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse mère de Dieu, toujours vierge Marie. Chantons à l'honneur de maman. Elle est là où est son fils et demandons qu'elle vienne plaider aussi pour nous. Que chacun chante ce mégalinaire en suppliant la Vierge pendant ce temps d'intercession. À venir nous rejoindre. Maman pour Saint-Jean, prophète, procureur et baptiste, pour tous les saints glorieux et lus apôtres, pour tous les saints de ce jour qui prient avec nous, dont nous célébrons la mémoire et tous tes saints. Par la prière aussi ce soir, maman veille sur nous, veille sur nos demandes. Oh Dieu, souviens-toi aussi de tous nos défunts, tous ceux pour qui nous prions, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection à la vie éternelle. Souviens-toi de tous les enfants avortés. Souviens-toi de tous les membres de nos églises qui sont décédés. Souviens-toi de tous ceux qui demandent que nous puissions prier pour eux. À cette heure, tous ceux qui meurent dans les hôpitaux, tous ceux qui meurent au Mali, tous ceux qui meurent au Burkina, tous ceux qui meurent au Niger, tous ceux qui meurent dans les guerres, tous ceux qui meurent en Israël, en Palestine, tous ceux qui meurent, dans des pays dont personne ne fait cas, dans les journaux télévisés, tous ceux qui meurent au Soudan, dans le repos, là où brille la lumière de ta face. Souviens-toi de toutes ces personnes, Seigneur, qui ont demandé que nous puissions prier pour elles. Souviens-toi de Nathalie Koulibaly, souviens-toi de Maman Nyanyo et de ses enfants, souviens-toi
Du coup, par nos mains, souviens-toi du coup Niézé et des membres de leur famille. Souviens-toi du docteur Elabo et de sa famille. Souviens-toi de cette fidèle qui demande la guérison totale. Souviens-toi de Annie Ngaman. Souviens-toi de Rachel Dabiba. Souviens-toi de couple Mousseau, d'Angéline Lueda, de cette fidèle qui demande le bon déroulement de son mariage. Souviens-toi de couple Ouattara, Ousmane. Souviens-toi, Seigneur, de tous ces frères et sœurs qui nous suivent en direct, qui ont partagé ce temps d'intercession pour l'ouverture des portes. Souviens-toi d'Armand. Souviens-toi du couple Ousmane. Souviens-toi de Nathalie, Sophia, Laure. Tous ceux qui demandent que pendant ce mois de décembre et pour la traversée de la nouvelle année, ils bénéficient de ton aide, de ton assistance, de ta protection, que ton sang les couvre pour les mariages qui doivent avoir lieu. Donne la grâce que tout se déroule parfaitement pour Madame Brou et Madame Niakole. Apporte ta faveur pour Kona Madeleine. Tu as fait la prouesse de partager dans 150 groupes. Souviens-toi d'elle. Vous tous qui êtes présents, élevons ensemble la voix. Que nos voix retentissent dans les cieux comme un ensemble d'agréable odeur. Vous tous qui nous suivez en direct, présentons à Dieu nos supplications. Supplions-le. Supplions-le pour les évêques orthodoxes. Supplions-le pour tous les prêtres, pour les diacres. Supplions-le pour les clergés, pour tout l'ordre monastique. Supplions-le pour tout l'univers, pour la Sainte Église catholique et apostolique. Pour tous ceux qui mènent une vie pure et honorable. Pour nos rois, croyants, amis du Christ, pour les palais et les armées. Supplions-le, Seigneur, pour tous ceux de nos fidèles, pour tous ceux qui apportent les dîmes et les offrandes. Pour tous ceux qui préparent l'alliance financière, pour tous les navigateurs, pour les voyageurs, pour les malades, pour tous ceux qui souffrent, pour les prisonniers, pour les malades, pour tous ceux qui offrent des dons dans cette église, pour tous ceux qui se souviennent des pauvres, tous ceux qui aident le SGPSL dans ses activités. En premier lieu, souviens-toi, Seigneur, de son éminence, Sergios Pacomios Maria Chia, ici présent. Accorde à ta Sainte Église qu'ils vivent en paix, en santé, en honneur, bien portant, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et de ce que chacun a dans l'esprit, et de tous et de toutes, et de tous et de toutes. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles et des siècles. Amen. Amen. Et la miséricorde de grand Dieu sauveur Jésus-Christ sera avec vous tous. Et avec ton esprit. Et rends-nous dignes, Maître, d'oser en toute assurance et sans crainte de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et te dire en levant la main droite, en criant notre Père, pour que décembre soit un mois paisible, pas d'accident, pas de maladie, pas de personnes hospitalisées. Dieu vient de faire le deuxième miracle après le miracle du docteur Elabo. Amen. Une de nos sœurs au Canada, les médecins ont confirmé que depuis 2 mois, elle devait être dans un coma diabétique parce qu'elle a dépassé, je crois, 7, alors que la moyenne, c'est 0,06. Et les médecins ont voulu pousser les examens. Ils ont dit qu'elle atteint jusqu'à 7 et devait être dans un coma. Et Dieu s'est souvenu d'elle. Ils ont dû la garder alors qu'elle marchait. Ils lui ont demandé comment elle est arrivée ici. Elle a dit qu'elle est venue par elle-même. Les gens ont été surpris. Dieu a fait le miracle. En disant c'est notre Père, croyons que nous aussi, Dieu nous préserve, préserve notre famille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartient la royauté, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sois propice au pécheur que je suis.
Oh Dieu, sois propice au pécheur que je suis. Et aie pitié de moi. Oh Dieu, sois propice au pécheur que je suis. Et aie pitié de moi. Soyons attentifs. Les choses saintes, ô saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Rends maître le Saint-Pain. Est rompu et partager l'agneau de Dieu, rompu et non divisé, toujours mangé et jamais épuisé, sanctifiant tous ceux qui communient. Rempli, maître, le Saint Calice. Plénitude du Saint-Esprit. Amen. Béni, maître, le Zéon. Béni soit la chaleur de tes saints dons en tout temps, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Chaleur du Saint-Esprit. Amen. Faisons avec confiance notre prière avant la communion et demandons la grâce de Dieu de faire de nous des personnes qui communient sans aucune condamnation. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur se souvienne de nous. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous garde dans sa miséricorde. Disons cette prière avec foi. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, Fils du Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci même est ton corps immaculé et cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes fautes, commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment ou par ignorance. Rends-moi digne de participer, sans mériter de condamnation, à tes mystères immaculés, pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle. Voici que je m'approche des divins mystères. Ô mon Créateur, ne me consume pas par cette communion, car tu es un feu qui brûle les indignes, mais purifie-moi de toute souillure. À ta scène mystique, fais-moi communier aujourd'hui, ô Fils de Dieu, car je ne dirai pas le secret à tes ennemis, ni ne te donnerai le baiser de Judas. Mais comme le larron, je te crie, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume, en voyant ce sang qui divinise, tremble, ô homme, car c'est un charbon ardent qui brûle les indignes. Le corps divin divinise et nourrit. Il divinise l'esprit et nourrit l'âme d'une manière merveilleuse. Ô Christ, le désir de toi m'a ravi à moi-même, et ton divin amour m'a changé en un autre homme. Brûle mes péchés par ton feu immatériel, et daigne me remplir de tes délices, afin que plein de joie, je glorifie tes deux avènements, ô Dieu bon. Comment entrerai-je, indigne que je suis, dans la splendeur de tes saints, si j'ose pénétrer dans la salle des noces, mon vêtement me trahira, car ce n'est pas la robe nuptiale, et les anges m'enchaîneront et me chasseront. Mais purifie, Seigneur, les souillures de mon âme, et sauve-moi de ton amour des hommes. Maître ami des hommes, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que tes saints dons ne tournent pas à mon jugement à cause de mon indignité, mais qu'ils soient la purification et la sanctification de mon âme et de mon corps, un garde de la vie et du royaume à venir. Il est bon pour moi de m'attacher à Dieu et de placer dans le Seigneur l'espérance de mon salut. Thank you.
Lorsque le peuple élu devait traverser la mer Rouge, mais bien avant, lorsqu'il devait quitter l'Égypte pour aller à la terre promise, pour cette traversée, le Seigneur lui a dit à une condition. C'est la Sainte Eucharistie. Et en préfiguration, ils ont sacrifié dans chaque maison un agneau. Et ils ont badigeonné les linteaux des portes avec le sang de l'agneau. Et la divine Écriture dit que l'ange exterminateur n'a point frappé la maison des Hébreux. Et cela a été le prélude à la plus grande évasion mystique de tous les temps. Nous aussi croyons que, en communiant en son corps et en son sang, nous prononçons notre relax de toute forme d'assujettissement, de toute forme d'esclavage, et nous sommes totalement libérés de toujours. Bien-aimé, c'est un mois décisif. C'est un mois de sacrifice dans lequel nous venons d'entrer. C'est un mois à caractère. C'est un mois pour lequel nous devons, comme le Seigneur nous l'a révélé, fermer toutes les portes. Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez. Approchons donc. Dans la crainte de Dieu, en faisant cette prière du cœur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Ou bien en disant, Seigneur Jésus-Christ, prends tout de moi-même et donne-moi en plus de toi. Bien-aimé, nous avons besoin de prendre des forces spirituelles. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la force de Dieu. Sans sa grâce, nous ne pouvons rien. Nous le disons toujours, mais est-ce que nous en prenons pleinement conscience? Comme le diacre l'a dit, avec crainte de Dieu, avançons, vous tous qui nous suivez. La distance n'est pas une barrière. Croyez. Tout à l'heure, nous allons prier. Mais pour prier, il faut que la relaxe puisse être prononcée par le miracle des linteaux des portes. Le sang de Jésus a protégé la porte des Hébreux. Pendant que ces portes étaient fermées, pour que les portes des Égyptiens soient ouvertes à la mort et que les portes de la liberté soient ouvertes définitivement. Pendant que nous communions, n'oublions pas, nous communions à sa mort et à sa résurrection. Ça veut dire que
Nous communions à la relaxe de notre vie, à la délivrance de notre vie, à notre liberté. C'est pourquoi, mois de décembre, tu seras un mois fécond, un mois de bénédiction. Et dès de décembre, tes fruits sont prometteurs. Adorons le Seigneur et venons d'une attitude de recueillement et de prière. Comme Caleb qui a pu conquérir la terre promise parce qu'il avait mangé la manne et bu l'eau du rocher, nous aussi, venons prendre notre manne et notre eau du rocher, le corps et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la prostituée de Jéricho qui a attaché un linge rouge sur sa porte pour empêcher que les soldats hébreux n'exterminent sa famille. Nous aussi, comme Rahab, venant au sang de Jésus pour être préservés pendant ce mois de décembre. Même si nous ne communions pas que nous sommes assis en esprit, selon que le maître a dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Laissons-nous aussi toucher par la grâce. Parce que ce n'est ni à Jérusalem, ni cette montagne. C'est le cœur que Dieu veut voir. Et l'ange de Dieu promène ses yeux. Et s'il voit un cœur sincère, l'ange ira au-delà des considérations canoniques, des lois purement ecclésiastiques, pour nous faire goûter à la grâce de Dieu. Parce que la seule chose qui captive et qui retient la grâce, c'est l'humilité. Mais l'orgueil l'a fait fuir. Adorons le Seigneur et faisons notre prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, pour tous qui nous suivent en direct, communiez également en esprit. Même si vous n'êtes pas encore baptisé, même si vous n'êtes pas orthodoxe ou catholique, même si vous n'êtes pas anglican qui croit à l'Eucharistie, disposez-vous par la foi. Et comme l'ange a pris du pain et de l'eau, Seigneur et symbole du sang et du corps du Christ, pour que Habacuc soit transporté sur les airs pour aller fortifier Daniel, la même chose se fera pour vous au nom de Jésus. Parce que Daniel était en prison. Comme toi aussi, tu es dans la prison du péché, de l'amertume, du ressentiment, la prison du non-baptême, la prison du concubinage, et tu crois que la miséricorde de Dieu ne va pas te rejoindre. Non, Dieu transcende ces prisons. L'ange a pris la figure d'un corbeau pour nourrir Élie dans la grotte. Si le corbeau, l'animal impur par excellence, peut transporter la communion, ça veut dire que Dieu aussi, si tu ouvres ton cœur à sa miséricorde et si tu fais preuve d'humilité, peut te faire expérimenter les grâces de cette Eucharistie. Demandons à Dieu de nous guérir par cette Eucharistie, de nous restaurer. Seigneur, tous les malades qui sont connectés, que décembre soit le mois de la fin des ordonnances kilométriques, des rendez-vous incessants et interminables, des douleurs insupportables, des insomnies terribles et de la peur de la mort. Pour ceux qui souffrent de blessures intérieures, que décembre soit le mois de la consolation et de la paix véritable. Seigneur, touche tes enfants. Touche tes enfants, Seigneur. Nous t'en supplions, touche-les, touche-les, touche-les. Touche tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, touche-les. Touche tes enfants. Accorde la paix, accorde la paix, accorde la paix. Accorde la restauration et la paix. Seigneur, visite-nous. Visite-nous puissamment. Oh notre Dieu, ami des hommes. Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus,
Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Adorons le Seigneur et laissons-le nous visiter. Pour tous ceux qui sont malades de la tête, ceci est un remède de guérison. Tous ceux qui souffrent des yeux et des oreilles, ceci est le baume de Galahad. Tous ceux qui ont des problèmes au cou, qui sont obligés de porter des minerves, des colliers, recevez votre visitation au nom de Jésus. Pour tous ceux qui ont des problèmes aux membres inférieurs et supérieurs, des problèmes de nerfs, de tendinites, de tensions, que vos membres soient restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons par l'autorité du nom de Jésus à tous vos tendons, vos ligaments, vos nerfs, à tout le mouvement du flux dans vos cellules, dans vos organes, d'être restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui souffrent du cœur, tous ceux qui souffrent de l'estomac, du foie, des reins, tous ceux qui ont des problèmes de sang, recevez la visitation divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'heure de la guérison. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il a pris sur lui nos infirmités pour relâcher sur nous la guérison. Pendant que nous concluons cette prière pour entrer dans ce temps d'intercession, parce que maintenant, comme Caleb, nous pouvons aller à la conquête des géants de la terre promise pour prendre ce qui nous appartient. En tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Réjouissons-nous dans le Seigneur pour ces délices exquis, pour cette grâce merveilleuse qu'il nous a accordée. Sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Restons en paix. Au nom du Seigneur, prions le Seigneur. Acclame le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Lève la main droite et nous voulons commencer ce premier point de prière en demandant que la grâce de Dieu nous rejoigne. Est-ce que le cœur, on peut adorer le Seigneur? On peut adorer sa sainte présence. Levons ensemble les mains, rassasiés de la bénédiction de Dieu, adorons-le, célébrons-le,
tous les frères et sœurs qui sont connectés. Parce qu'on nous dit qu'il y a des... On est coupé sur Facebook, sur YouTube, c'est ça? Ça veut dire que Tessam sera un puissant mois de grâce et de bénédiction. Lève les mains, adorons le Seigneur. Il n'y a que les vivants qui peuvent espérer. Amen. Les morts n'espèrent plus, sauf la vie éternelle. Amen. Tous ceux qui sont connectés par Zoom, Jésus, que la grâce de Dieu vous rejoigne. Je sais qu'il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Jésus. Je sais qu'il est vivant. Amen. Il est puissant. Amen. Il est puissant. Jésus est puissant. Je sais qu'il est puissant. Amen. Il est puissant. Amen. Nous sommes en décembre, soyons des gens heureux. Je sais qu'il est puissant. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Jésus est vivant. Je sais qu'il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, pendant que nous préparons ce temps, une révélation est venue à moi. Était-ce de l'esprit, je ne sais. Était-ce de l'homme, je ne sais. Je crois que nous pouvons en profiter parce que Dieu est bon pour nous. Amen. Tout ce qui nous bloque parce qu'il y a des portes ouvertes encore. Même quand la bénédiction entre nous par la grâce, elle sort parce que nous ne pouvons pas conserver cette grâce. Il faut que pour décembre, les bienfaits, les mérites, les grâces de cette prière de traversée, nous puissions la retenir en nous. Ce serait très important. Bien-aimés, c'est pourquoi je veux que nous puissions, pendant ces 30 minutes d'intercession, fermer ces portes qui, malheureusement, quand nous les gardons ouvertes, nous créent beaucoup de problèmes. Si tu ne fermes pas ces portes, tu ne pourras pas conserver la grâce de cette année. Bien-aimés, si nous ne fermons pas ces portes, la bénédiction entre et puis elle sort. Et nous sommes les plus à plaine. Nous sommes les plus malheureux. Qu'il n'en soit pas ainsi. Sang de Jésus, 3:2-3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Bien-aimés, une de ces portes qu'il nous faut fermer. Et il nous faut la fermer immédiatement. C'est la porte des malédictions héritées. Dieu a des choses pour lesquelles nous ne sommes même pas comptables. Dieu a des choses héritées de nos parents, de nos ancêtres. Et malheureusement, quand ces portes sont ouvertes, comme une maison qui est remplie de biens, une maison qui est meublée, une maison à laquelle on a emmagasiné des trésors, mais il n'y a pas de porte. Imaginez la conséquence. Les voleurs viennent tout prendre. Les pilleurs viennent tout prendre. Nous allons fermer cette porte-là au nom de Jésus. Sang de Jésus 3 fois. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Ce soir. Je m'approprie. Je m'approprie. L'œuvre rédemptrice. L'œuvre rédemptrice. Que tu as accompli à la croix. Que tu as accompli à la croix. Pour commander. Pour commander. Que les malédictions héritées. Que les malédictions héritées. Dues au péché de mes pères. Dieu au péché de mes pères. Et qui entretiennent des portes ouvertes. Et qui entretiennent des portes ouvertes. Les portes de malédiction. Des portes de malédiction. Qui m'empêchent. Qui m'empêchent. De garder la grâce. De garder la grâce. Je demande au Dieu. Je demande au Dieu. Par les mérites de ta sainte Eucharistie. Par les mérites de ta sainte Eucharistie. Que ces portes. Que ces portes. Soient fermées. Fermées. Fermées.
Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous dis ça sous le sceau de la révélation. Pourquoi? Nous sommes maintenant à la 12e porte. À la 12e veillée des portes ouvertes. C'est sûr que la grâce rentre, parce que la grâce rentre toujours. Amen. Amen. Personne ne peut célébrer le summum de la grâce sans que la grâce ne vienne en lui. Alors la question, pourquoi dès que cette grâce entre, elle part, elle est dissipée? Comme la manne qu'on ne peut conserver pendant des jours, il y a des conditions que nous n'observons pas. C'est pourquoi ces mauvaises portes, nous allons les fermer. Que tout à l'heure, la porte de la grâce porte des fruits de notre vie au nom de Jésus. Amen. Lève la main droite, sang de Jésus trois fois. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. La deuxième porte que nous devons fermer, c'est la porte du rejet. La porte du rejet. C'est une porte que le diable maintient en nous pour nous piller, pour prendre toutes les grâces que nous recevons. S'il y a une porte par laquelle le diable entre facilement, c'est la porte du rejet. C'est la porte privilégiée des esprits méchants. Sang de Jésus, 3.3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, toute porte de rejet, toute porte de rejet, par lesquelles les puissants esprits méchants, les puissants esprits méchants entre toujours, comme des voleurs, comme des tueurs. Oh Dieu, oh Dieu, je lève la main droite, lève la main droite, je ferme cette porte. Alléluia. Mets ta main droite sur ton cœur. Sang de Jésus, 3.3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Bien aimé, quand nous parlons de porte de rejet, souvent, beaucoup disent non, je ne vois pas. Mais un des indices que cette porte est ouverte, souvent même tu ne peux pas voir parce que ça tire sa source depuis ta conception. Comment tu as été conçu? Est-ce que tu es né dans les liens d'un mariage? Est-ce que tu n'es pas le coup d'une nuit? Est-ce que tu n'as pas été conçu dans la convoitise plutôt que dans l'amour? Et toutes ces choses-là, sans qu'on ne le sache, entretiennent et nous font ressentir inconsciemment des portes de rejet. Nous avons été peut-être des enfants accidents. On ne s'attendait pas à nous. Nos parents étaient des étudiants. Ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir un enfant. Notre naissance entraînait un divorce. Ou même pour beaucoup d'entre nous, souvent, les rejets sont des choses simples. Il nous faut fermer cette porte-là. Papa et maman voulaient faire 3 enfants ou 2 enfants et là,
Ils ont fait quatre papas à tolérer et malheureusement, il y a eu le cinquième et c'était nous. Je me suis rendu compte que toutes les personnes qui ont failli être avortées vivent avec ce sentiment de se sentir rejetées. Et alors le diable me tient cette porte. Même les personnes qui, pour qui les parents auraient voulu une femme ou un garçon, ce sont des portes de rejet. Et alors nous ne comprenons pas pourquoi nous prions, nous sentons que la grâce est venue, mais quelqu'un dit que j'ai fait un songe, papa, tu veux me bénir dans le songe, mais le lendemain, je me suis retrouvé dans la maison où j'ai grandi. Oh, il y avait une porte de rejet. Le rejet depuis la famille. Est-ce que tu es prêt à fermer cette porte-là? Amen. Amen. Parce que tout à l'heure, la porte que nous allons ouvrir ne doit plus être une porte qui pourrait être refermée. Cette porte-là, le diable ne peut pas sortir par là. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi il dissipe notre capital, nos bénédictions? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Trop, c'est trop. Sang de Jésus, 3.3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Seigneur, toutes les portes de rejet. Seigneur, toutes les portes de rejet. Que je traîne depuis ma conception. Que je traîne depuis ma conception. Depuis mon enfance. Depuis mon enfance. Oh Dieu. Oh Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ferme cette porte. La malchance ce soir par le feu le sang de Jésus je fais tout ça par le sang de Jésus tout ça par le sang. Alléluia. Bien-aimé, la clé pour fermer ces portes là c'est le pardon. Mais je veux que tu puisses en prendre conscience. Mets la main sur ton cœur. Sang de Jésus 3.3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Toutes les portes de rejet. Toutes les portes de rejet. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. À la suite. À la suite. Des paroles méchantes. Des paroles méchantes. Des malédictions. Des malédictions. Des réprimandes. Des réprimandes. Oh Dieu. Oh Dieu. Toutes ces portes de rejet. Toutes ces portes de rejet. Qui ont été ouvertes dans ma vie. Qui ont été ouvertes dans ma vie. À cause des maltraitances dans mon enfance. À cause des maltraitances dans mon enfance. À cause des abus sexuels dans mon enfance. À cause des abus sexuels dans mon enfance. À cause des attouchements dans mon enfance. À cause des attouchements dans mon enfance. Seigneur. Seigneur. Ferme ces portes. Les bras hauts, raka baba, yeah, bra 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 bra, c'est ma, requere bo, raka dala bazo, raka dala bazo, bra 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 bra, requere bo, raka baba, raka daka dala kada la bazo, bre Bravo, bravo, Sandra, bravo, Rata, bravo, 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 Alléluia. Sang de Jésus, 3.3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Dis troisième porte à fermer. Dis avec moi, troisième porte à fermer. Troisième porte à fermer. Troisième porte à fermer. Troisième porte à fermer. Pour que la porte de bénédiction. Pour que la porte de bénédiction. Laisse entrer dans ma vie. Laisse entrer dans ma vie. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi de gloire. Le roi de gloire. Dieu, Dieu. Oh Dieu. Toute porte de rébellion en moi. Toute porte de rébellion en moi. Qui m'empêche de garder les bénédictions. Qui m'empêche de garder les bénédictions. Porte d'entêtement. Esprit démoniaque d'indépendance. Esprit démoniaque d'indépendance. D'obstination. D'obstination. D'égoïsme et d'orgueil. D'égoïsme et d'orgueil. Ferme-toi.
Ferme cette porte. 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 De la faible, 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 la jeune fille qui est en jaune, tu as quel âge? Tu as quel âge? 20 ans. Tu connais Rebecca? Qui s'appelle Rebecca? Viens ici. Qui s'appelle Rebecca? Elle est venue avec qui? Avec toi? Pas lui. Qui s'appelle Rebecca? Hein? Cette jeune fille a touché, a eu des attouchements dans son enfance comme Rebecca. Et il nous faut prier pour elle. Il nous faut fermer cette porte. Bien aimé, cette porte-là, si elle est ouverte, la grâce ne doit pas rester. Tout entêtement, tout esprit d'indépendance, des gens qui ne veulent pas se faire enseigner, esprit têtu, d'obstination, de provocation. Rappelez-vous ce que le prophète a dit. Il dit la rébellion, c'est de la divination. Et si cette porte est dans notre vie, frère, c'est un péché odieux. Parce que la rébellion est un péché qui est directement associé au diable. C'est Satan, c'est Lucifer qui a inauguré ce péché-là. En cherchant, lui, créature, à usurper le trône de Dieu. Mon Dieu. Puis encore avec autorité. Oh Dieu. Oh Dieu. Toute porte de rébellion. Toute porte de rébellion. Que Satan ouvert dans ma vie. Que Satan ouvert dans ma vie. Ferme-toi. Ferme-toi. Bra, 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 bra. Par le feu, le sang de Jésus, de la ferme, de la ferme, toute porte de rébellion, mais Satan vient au moi, fais-toi, fais-toi, prie. Il a brassé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lève la main droite vers moi, vers l'autel, parce que tu as besoin d'une grâce spéciale pour fermer les portes d'amertume et de non-pardon. Souvent, on croit qu'on a pardonné, mais cette porte-là, même, elle est entrouverte et les grâces fuient. Il nous faut la fermer ce soir. Il nous faut la fermer ce soir. Amen. Je vais vous lire un passage qui va nous aider et l'Esprit va relâcher sa grâce. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Sang de Jésus, trois fois et trois. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. L'apôtre dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Regardez, il y a des portes à fermer. Est-ce qu'on me suit ici? Amen. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Pourquoi la grâce ne reste pas? Il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient effecté. Mon Dieu, l'amertume, le manque de pardon, le non-pardon fait partie de la grâce. Sang de Jésus, trois fois une trois. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, toutes les portes d'amertume, toutes les portes d'amertume et de non-pardon, et de non-pardon. Fermez-vous. Bra 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 bra, c'est que les bozos. Adolé Bessi Katara Baba. Bra bra, c'est que les bozos. Chandara Bala Haya. Bra 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 bra, c'est que les bébés. Bra Katara bra 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 bra. C'est que les bébés, 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 bébés. Ra bra bra bra, c'est que rebo santa ra ka baba. Ra bala 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 bala. Alléluia. Vous tous qui nous rejoignez sur YouTube, vous me dites que YouTube est à présent activé. Vous tous que nous suivez sur YouTube, nous voulons prier. Depuis, nous avons compris que
nous avons ouvert les portes de janvier, de février, de mars, d'avril, de mai, de juin, de juillet, d'août, de septembre, d'octobre, de novembre. Mais pourquoi? Alors que nous avons assisté à toutes ces prières des portes ouvertes, la grâce ne s'est pas manifestée. Parce qu'il y a d'autres portes qui, pendant que Dieu ouvre pour nous les portes de la grâce, sont également ouvertes. Ce sont les portes du diable, les portes de la malédiction qui font fuir toutes nos bénédictions. Il a dit à Jérémie, malheureusement, vous recueillez ma grâce dans les citernes lézardées. Et les premières portes que nous avons fermées, vous tous, que nous prenez un coup, ce sont les malédictions héritées des péchés des parents, des ancêtres. La deuxième porte que nous avons fermée, c'est la porte du rejet. Nous avons vu que souvent cette porte est très subtile. Et la troisième porte, c'est la porte de la rébellion. Et nous sommes en train de fermer la quatrième porte, une porte non moins importante, la porte d'amertume et de non-pardon. Bien-aimés, levons la main droite, tendons la main droite vers l'autel, parce que souvent, à des degrés, on a besoin de la grâce de Dieu. Vous avez vu comment l'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Qu'il n'en soit pas pour nous ce soir. Sang de Jésus, trois fois trois. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Toutes les portes d'amertume. Toutes les portes d'amertume. Et de non-pardon. Et de non-pardon. Ce soir. Ce soir. Je tends la main vers ton autel. Je tends la main vers ton autel. Pour supplier ta miséricorde. Pour supplier ta miséricorde. Je me repens sincèrement, Seigneur. Je me repens sincèrement, Seigneur. Et demander la grâce du pardon. Pour demander la grâce du pardon. À ceux qui m'ont offensé. À ceux qui m'ont offensé. Parce que je prends conscience. Parce que je prends conscience. Que l'amertume. Que l'amertume et le non-pardon, et le non-pardon pénalise ma vie et m'empêche d'entrer dans mes bénédictions. D'entrer dans mes bénédictions. C'est pourquoi, Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, pendant que je relâche le pardon, pendant que je relâche le pardon, que ta grâce ferme cette porte. Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Ferme cette porte. Ferme cette porte. Sors de ce piège d'esclavage. 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 Ferme cette porte. Sors de ce piège. Alléluia. Bien-aimé. Si vous êtes une personne rancunière, la porte ne sera pas fermée. Dieu, oh Dieu, oh Dieu, toute rancune qui empêche cette porte démoniaque de se fermer, de se fermer. Je la chasse. Ferme la porte de la rancune. Ferme la porte. 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 Alléluia. Amen. Je veux que tu mettes la main sur l'épaule de ton voisin. Si on peut se retrouver deux à deux, ce serait bien. La main droite, la main droite, la main droite, la main droite. Il nous faut fermer cette porte. Vous tous que nous suivez en direct, nous sommes en train de prier prophétiquement pour que la grâce de ce soir reste en nous. Et le Seigneur nous a dit, si la grâce ne reste pas, parce qu'il y a d'autres portes qui sont ouvertes, le diable maintient ses portes démoniaques à notre insu, même souvent, nous sommes au courant pour disperser la grâce. Qu'il n'en soit pas ainsi ce soir. Nous allons fermer une porte. C'est une porte qui associe forcément l'autre. C'est pourquoi je veux que partout où vous êtes dans vos maisons, posez la main droite sur votre frère ou votre soeur et faites cette prière avec nous. Nous allons fermer une porte essentielle. C'est la porte de la pitié de soi ou la porte de l'esprit d'apitoiement. La porte qui nous amène à nous replier sur nous-mêmes. Bien-aimés, nous passons notre temps à ressasser les injustices qu'on a subies. Jusqu'à nous nous sentons mal aimés, pauvres, misérables. Ça, le diable ouvre cette porte en nous pour détruire la joie, la paix, qui sont deux précieux fruits qui maintiennent les bénédictions dans notre vie.
fermons cette porte-là au nom de Jésus. Sang de Jésus, trois fois de trois. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute porte de pitié de soi. Toute porte de pitié de soi. Toute porte d'esprit d'apitoiement. Toute porte d'esprit d'apitoiement. De repli sur moi-même. De repli sur moi-même. Oh Dieu. Oh Dieu. Je l'ai fait. Ferme sa porte démoniaque. 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 Alléluia. Où est la jeune fille pour qui j'ai parlé de Rebecca là? Hein? Il faut qu'on prie pour cette jeune fille parce que les attouchements ont fait qu'elle a un esprit d'entêtement. Hein? Et l'esprit d'entêtement, si on ne fait pas attention, va ouvrir à la sorcellerie. Hmm? Voilà, va ouvrir à la sorcellerie. C'est la fin de qui? Hein? T'as dit à toi déjà, hein? Hmm? Ma fille qui s'appelle Rebecca. Bon. Sang de Jésus, trois points de trois. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu fermes cette porte. Est-ce que tu es prêt à fermer cette porte? Amen. La porte de pitié de soi. Regardez, frère. Parce que souvent quand on dit ça, non, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de complexé. Non. Il faut fermer cette porte. Dès lors que tu as été un jour animé d'un sentiment où tu as voulu tout laisser, tu as voulu divorcer, tu as voulu partir loin des autres, tu as voulu même démissionner de ton travail, tu as voulu t'éloigner des parents, tu voudrais en plus visite, l'apitoiement est entré, frère. Tous ceux qui sont les spécialistes de la fuite, soi-même, un moment donné, ne venaient plus aux prières, ça, c'est l'apitoiement. Tous ceux même qui, eux sont présents, mais ils fuient dans les rêves, ils créent le monde imaginaire. Ça, c'est l'apitoiement. Et même pire, ceux qui utilisent des drogues et de l'alcool pour fuir la réalité, pour qu'ils ne se souviennent pas d'événements douloureux. Tout ça, c'est l'apitoiement. Dis, oh Dieu. Ferme sa porte! S'il te plaît, ferme ses portes. S'il te plaît, ferme ses portes. S'il te plaît, ferme ses portes. S'il te plaît, s'il te plaît, ferme ses portes. S'il te plaît, s'il te plaît, ferme ses portes. S'il te plaît, ferme ses portes. S'il te plaît, ferme ses portes. S'il te plaît, ferme tes portes. S'il te plaît, ferme ses portes. Ferme ses portes, ferme ses portes. Ferme ses portes, ferme ses portes. Ferme ses portes. Ferme sa porte. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Ferme sa porte. Par le feu. Ferme sa porte. 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 Alléluia. Amen. Vous tous qui êtes en train de migrer sur YouTube, demandez à vos frères et sœurs, envoyez-leur le message sur WhatsApp, envoyez-leur les liens. Envoyez les liens également sur Telegram. Partagez ce moment-là et sonnez la cloche de YouTube. Mireille Akwes, Rina Gbadé, Christophe Yotio, Vanessa Amand, Enan Doli, Marie, Christine Domoro. Vous tous, fermez ces portes. Nous sommes en train de fermer des portes qui, par révélation tout à l'heure, c'était comme une ouverture d'esprit. Pourquoi les choses ne viennent pas? Alors que la liturgie, la divine liturgie, l'Eucharistie,
dans sa manifestation la plus forte, doit nous apporter quelques grâces. Mais pourquoi? Parce que ces grâces-là sont dissipées. Ces grâces sont dissipées. Qu'il ne soit pas ainsi. Dites au voisin qu'il ne soit pas ainsi. 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 Où est mon gars qui traduit là, qui chante là? Mais pourtant tu as écouté du truc. Qu'il ne soit pas ainsi. Lève la main droite. Il y a une autre porte que nous allons fermer. La porte de la culpabilité. Ce n'est pas celui qui a tué Jésus. Il faut que tu te décharges de ce fardeau avant que la nouvelle année n'arrive. S'il te plaît. Il y a des portes qu'il faut fermer en décembre obligatoirement pour ne pas être attaqué. Je vous ai dit pour les Akans, le 8, ils vont pour la fête des ignames. Et ma mère m'a appelé, elle dit, va à la fête des ignames. Il dit, tu n'auras rien. C'est le 24 décembre qu'il va te donner quelque chose. Mon agence va pour faire des ignames. Elle dit, mais je vais seulement pour la fête, pour aller prendre des papiers seulement. Il dit, tu vas à la fête des ignames. Elle dit, mais moi, je ne veux rien faire. Moi, je suis chrétienne. Il dit, tu vas à la fête des ignames. Alléluia. Amen. Tiens, ton voisin, sois prudent. Sois prudent. Il nous faut fermer la porte de la culpabilité. Bien-aimé, et je vous dis, tu n'as pas tué Jésus. Même si tu l'avais tué, qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera ceux que Dieu n'a pas condamnés? Il faut que ce fardeau-là tombe. Pourquoi? Christ est mort à la croix et on vient de le célébrer de manière non sanglante. Par cette mort-là, toutes les conséquences de la culpabilité ont été effacées. Amen. Donc, pour que tu le comprennes, nous sommes sous une alliance parfaite. Il n'y a maintenant aucune condamnation Amen. Pour Amen. Ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Et Paul dit, nous ne marchons plus selon la chair, nous marchons maintenant selon l'esprit. Si même tu as péché jusque-là, il y a un remède. C'est le sang de Jésus. Donc, décharge-toi de cette culpabilité. Jésus, 3:23. Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par la repentance et la foi. Par la repentance et la foi. Je ferme cette porte de culpabilité. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ferme cette porte. 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 Alléluia. Peuple de Dieu, ceux qui viennent également de nous rejoindre sur Facebook, nous sommes en train de fermer des portes. Parce que notre problème, ce n'est pas que Dieu ne nous bénit pas. Nous payons nos dîmes. Oh, il a dit, il y a une loi qui s'attache à la dîme. Il a dit, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Je répandrai sur vous la bénédiction. Donc la grâce vient. Nous sommes coutumiers aux aumônes. Nous aidons les pauvres. Oh, il a dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ceux-là, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc la grâce vient. Il dit, celui qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Donc la grâce est là. Et chaque fois que nous communions, la grâce est là. Mais le problème, frères et sœurs, vous tous, si vous prenez maintenant en cours sur Facebook, ce sont les portes que le diable a maintenues subtilement dans nos vies. Quand la grâce rentre par la porte de Dieu, le diable le fait sortir. Parce que lui, il est venu pour tuer, détruire et voler. Ça se fait la nuit, généralement. Pendant qu'il dormait, il est venu s'aimer livrer. On peut voler ta grâce de mariage. Ça existe. C'est pourquoi nous faut fermer ces portes-là. Rappelez-vous, bien-aimés, Rachel a eu sa grâce de mariage fermée, bloquée par sa sœur, comment elle s'appelait? Léa. Léa. C'était la nuit. Ésaü, le fils aîné, a eu sa grâce être transférée chez son frère. Frère, il faut faire attention. Il y a une femme qui la nuit a vu son enfant, son enfantement être échangé aussi. Il nous faut prier, frères et sœurs. Il nous faut prier. Il nous faut prier. Et vous tous qui nous suivez, nous avons fermé la première porte, les malédictions héritées. La deuxième porte, le rejet. La troisième porte, qui se souvient,
La rébellion, les portes de rébellion. La quatrième porte, les portes d'amertume et de non-pardon. Et la cinquième porte, la porte de pitié de soi. L'esprit d'apitoiement. Nous avons vu comment cet esprit-là nous guette. Et maintenant, si tu es prêt pour la sixième porte, Amen. Lève la main droite. Je veux que tu enlèves ta chaussure. Parce que tu dois posséder ce lieu. Cette porte-là fera que tu risques de passer à côté des opportunités divines. La porte du complexe d'infériorité. Dis, je refuse cette porte. Je refuse cette porte. C'est une porte qui est étroitement liée au rejet. Tu te dévalorises. Tu te sens moins que les autres. Tu te sens inférieur. Quand on dresse le catalogue de tes qualités, tu dis, moi-même, je ne peux rien faire. Ça, ce n'est pas l'humilité. C'est un péché. Sang de Jésus, trois fois, et puis ferme brutalement cette porte de complète d'infériorité. 1, 2, 3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu. Tout porte de complexe d'infériorité. Tout porte de complexe d'infériorité. Qui m'amène à me dévaloriser. Qui m'amène à me dévaloriser. À me considérer inférieur aux autres. À me considérer inférieur aux autres. Ferme-la! Rababa. Kiri baba baba. Bré 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 bré. Rakatara baba baba baba. Ré, Le brosatara baba 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 le brosatara brasse que te le bébé fermons sa mauvaise porte. Alléluia. Et c'est ceux qui sont derrière là-bas peuvent s'avancer. Voilà, avancez-vous sur les chaises pour qu'on puisse faire communion, pour que vos prières aussi galvanisent ceux qui vous suivent en direct. Alléluia. Il y a de la place. C'est pas grave. Aujourd'hui, lève la main droite. Bien-aimés, nous faut fermer ces portes. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu nous a dit? Vous savez, sans prophétique, on ressemble à des gens qui sont promenés. Mais pourquoi la grâce ne vient pas? Oh, la grâce est venue, mais on ne l'a pas maintenue. D'autres, même dès la prière, la fin de la prière, ça sort. D'autres, pendant une semaine, les choses semblent se décanter, puis bah, ça se bloque. Nous faut fermer ces portes. Lève la main droite. Maintenant, nous allons terminer par fermer les portes. Nous allons fermer une porte générale, la porte du péché. Si nous fermons la porte en général du péché, la porte de la réussite va nous apporter toujours de bonnes choses. Et surtout la porte du caractère. Les gens qui sont impolis à la maison, qui ont de mauvaises habitudes, irrespectueux, qui gardent des rancunes comme des sorciers, ne minimisent pas les péchés, bien-aimés. Il nous faut les fermer. Tout ton voisin dit, ferme ces portes-là. Ferme ces portes-là. Le péché va empêcher nos bénédictions. Nous faut fermer ces portes. Le péché est l'obstacle majeur. Nous faut fermer ces portes. Est-ce que tu es prêt à la fermer? Lève la main. Sang de Jésus, 3.3. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Tout porte de péché. Tout porte de péché. De mauvaises habitudes. De mauvaises habitudes. De caractère. De caractère. Ferme-toi! Rakababa libra se karaba Rama mama mama bre 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 Rakatara baba baba Rama mama 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 par le feu je ferme d'irritation ferme au nom puissant de ferme cette porte ferme cette porte. Ferme cette porte, ferme cette porte. Ferme cette porte. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ferme-toi. 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 Alléluia. Dis, j'ai tout fermé. J'ai tout fermé. Par ta grâce. Par ta grâce. J'ai tout fermé. J'ai tout fermé. Par ta grâce. Par ta grâce. Écoute-moi bien. Tout à l'heure, pendant qu'on priait,
L'Esprit de Dieu, je crois que c'est lui, m'a dit, les portes qui sont ouvertes fonctionnent comme des brouteurs. Imaginez, tu as travaillé, tu as eu 10 millions, 20 millions, 50 millions sur ton compte. Quelqu'un découvre ton code et vite. Que ces portes ne soient jamais ouvertes encore au nom de Jésus. Amen. Enlève la main droite. La porte de la faveur doit être ouverte. Amen. Et je vais te dire quelque chose. La faveur ne la limite pas à ton niveau. Je veux que tu penses grand. Parce que le mois de décembre nous propulse vers la nouvelle année. Par le mécanisme de l'autel du sacrifice. Il est très important que nous puissions entrer dans cette dimension avec Dieu. Et j'ai vu que tous ceux dont la vie ont été préservés miraculeusement, notre sœur Ingrid du Canada et mon fils, ce sont des gens qui sont fidèles dans les alliances. Lui, le médecin dit c'était fini. Lui, le médecin, il confirme. Elle aussi, elle est infirmière de profession. C'était fini. 2 mois, elle devait être dans le coma. Pourtant, elle nous a trouvés en France. Le soir de la retraite, on a même bu du vin. Elle se plaignait des petits maux de tête, elle se sentait fatiguée. Les médecins ont été effrayés au Canada. Demandons encore la grâce de Dieu. Nous allons prier maintenant. J'aime un mot que les enfants disaient avant. Il faut une grâce boulée. Beaucoup de grâce. Il y a une parole qui va faire en sorte que tout ce qui est sorti à cause de notre négligence, notre manque de révélation, que Dieu passe rentrer ça dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Jésus 3, point de 3. Jésus, Jésus, Jésus. Éphésiens 3, chapitre 20. Sang de Jésus 3, point de 3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Éphésiens 3, chapitre 20. Feu du Saint-Esprit 3 fois. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Dis, avec cette, dis cette parole avec moi. Oh. Oh. Il faut le dire avec. C'est un esprit que je veux que tu libères. Parce que la parole est esprit et vie. Oh. Oh. À celui qui peut faire, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment, infiniment, au-delà de tout, au-delà de tout, ce que nous demandons, ce que nous demandons, ou pensons, oh Dieu, par ta puissance qui agit en nous, par ta puissance qui agit en nous, réalise maintenant pour moi, réalise maintenant pour moi, infiniment au-delà, infiniment au-delà, de tout ce que je te demande, de tout ce que je te demande, ou même de tout ce que je pense, ou même de tout ce que je pense, au nom de Jésus, Jésus. Maintenant parle la langue, parle la langue, parle la langue, prophétise, voix grand, voix des marchands de milliards, voix des marchands de milliards, voix grand, voix grand, voix ton compte en banque, voler les milliards, voix ta carrière, connaître une accélération. Vois grand, vois grand, vois grand, vois grand. Ton Dieu est inépuisable, vois grand. Laisse entrer la bonne chose. Ton Dieu est inépuisable. Ton Dieu est inépuisable. Ton Dieu est inépuisable. Vois grand, vois grand, vois grand. Vois grand. N'aie pas peur de voir 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 grand. Cette prière est une prière prophétique. C'est la dernière prière de l'année pour la porte ouverte. C'est une prière prophétique. Par celui qui peut faire, par la puissance de l'Esprit qui est en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et de tout ce que nous pensons. Vois grand, oh Père, je vois mon ministère. Je vois des 10 hectares, nous sommes à 250 hectares. Nous passons à 2000 hectares. Merci pour ces immeubles. Merci pour la dîme des fidèles en Côte d'Ivoire. Merci pour la dîme des fidèles dans tous les pays du monde entier. Merci Seigneur. Pour les milliards, pour bâtir ton œuvre. Merci pour les stades que nous remplissons. Merci pour la grâce de la longévité. Pour moi et mon épouse, pour nos enfants, pour la réussite illimitée,
Oh Dieu, accorde à nos enfants le niveau d'influence des plus grands leaders de la terre. Prie en langue, prie en langue. Prophétise sur ta vie. Passe 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 sur ta vie. Alléluia. Amen. Mets la main sur ton front. Maintenant, ouvre grand les yeux. Dis, je vois grand. Je vois grand. Est-ce que tu vois maintenant? Je vois. Est-ce que tu vois? Je vois. Moi, je suis en train de voir le stade de France être rempli. Amen. Pour une divine liturgie. 40 000 places. Avec les présidents de la République assis. Vérité. Je suis en train de voir les grands stades être remplis. Le stade de la Sawatara être rempli. Amen. Je suis en train de voir les stades. Je suis en train de voir les stades. Vois. Je suis en train de voir nos comptes en banque tellement explosés qu'on nous convoque à la banque. Amen. Vois. Je vois des immeubles sortis de terre. Je vois. Les baraques, les nerebos, chanarabala haya, bazoule kete rebo, chanarabra. Vois. Je parle de vision, je parle pas de rêverie. Vois. Si tu ne vois pas, tu n'obtiendras pas. Si tu ne vois pas, tu n'obtiendras pas. Si tu ne vois pas, tu n'obtiendras pas. Vois ton triplex avec la piscine en haut. Vois. Oh, je vois le palais de l'évêque. Je vois. Alléluia. Quelqu'un crie, j'ai vu. Lève la main. Tu dois activer notre grâce, tu dois entrer dans cette bonne porte. Si tu n'as pas cette grâce, même si tu as vu, tu n'auras pas. Dis Amen trois fois. Amen. C'est une grâce que le Saint-Esprit donne. C'est la grâce qui active la bénédiction. On appelle ça l'assurance. Lève la main droite. 1 Jean 5, 14 à 15. Jésus 3.23. Jésus. J'ai dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Oh mon Dieu. Waouh. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Dieu. Bannis la peur dans mon cœur. Parce que la peur du diable. Parce que la peur du diable. Donne-moi l'assurance. Rakababa. Rébré. Sigarababa. Ram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 
J'ai l'assurance que je suis à la tête de toi, que j'ai l'assurance. J'ai les finances, j'ai l'assurance. Dieu, tu as dit dans ta parole que tu pourvoiras à tous mes besoins. Selon ta richesse. Avec gloire. En Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je m'appuie avec assurance cette parole. Pour déclarer la bénédiction. Pour ce mois de décembre. Pourvoir mes besoins. Pourvoir. 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 Pourvoir, 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 pas de mains de pied écrit, pourvoir, 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 à tous mes besoins, pourvoir, 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 pourvoir. Pouvoir, 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 à tous nos besoins, besoin financier, besoin de mariage, besoin de guérison, besoin d'appartement, besoin de visa. Besoin de voyage, besoin de promotion, besoin de délivrance, besoin de guérison, besoin de réconciliation, besoin de paix, besoin de restauration. Besoin de restauration. Pouvoir, 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 pouvoir. Alléluia. Lève la main droite. Tends la main vers le porte royal. Je fais cette prière pour pas que le diable ferme cette porte-là. Amen. Parce que comme tu as fermé les autres portes démoniaques, il peut vouloir faire en sorte de fermer la bonne porte. Est-ce que quelqu'un me saisit même? Amen. Qu'il n'en soit pas ainsi. Amen. Il y a une parole que nous allons déclarer pour empêcher que la porte de faveur soit fermée en décembre. Amen. Dans la main vers les portes royales. Les portes royales, c'est ici. C'est au milieu, là. Hein? Si tu vois là-bas, là, ce n'est pas les portes royales. Hein? Jésus 3 fois 2, 3. Jésus. Apocalypse chapitre 3, versets 8 à 9. Sang de Jésus 3 fois 2, 3. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Apocalypse chapitre 3, versets 8 à 9. Feu du Saint-Esprit 3 fois 2, 3. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Jésus 3 fois 1, 2, 3. Jésus. Il dit, je connais tes œuvres. Ensemble, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ça veut dire qu'il a vu tes dîmes, il va voir ton alliance financière. Ah, le Père là, sa voix me soutient, me stimule. Amen. C'est ça les œuvres. Il faut que je vous dise la vérité aussi. Il ne faut pas m'en vouloir. Voilà. Et l'amour ne peut même pas se plaindre de Dieu. Même s'il n'a rien physiquement, il sait qu'il est vivant. Voilà. Souvent, on ne se rend pas compte. Hein. Comme c'est quelqu'un qui raisonne, peut-être qu'il a fallu ce coup-là. Donc, toi, tu ne sais même pas à quoi tu as échappé. Vous avez vu notre soeur bien-aimée, Olga, cette merveilleuse femme. Merveilleuse femme qui est partie. Qui est partie. Rien que la vie. Les dîmes maintiennent les portes ouvertes. D'ailleurs, il a dit, les dîmes maintiennent les écluses des cieux ouverts. C'est pas ça? L'autel de sacrifice, l'alliance, maintient la bénédiction ouverte. Amen. Abraham, sur la montagne, le fils lui demande, mais où est le sacrifice? Je vois le bois, mais où est le sacrifice? Dieu pourvoira. Et Dieu a ouvert, les yeux ont vu. Agar dans le désert avec l'enfant. À cause de l'alliance d'Abraham, l'ange dit à cause d'Ismaël qu'elle a tourné les yeux, il y avait un puits. Il y a des éléments d'alliance qui maintiennent la porte ouverte. La dîme, l'autel de sacrifice, donc l'alliance financière, l'aumône, et puis aussi honorer son père et sa mère.
Oh Dieu, oh Dieu, tu connais mes œuvres. Tu connais mes œuvres. Malgré mon peu de puissance. Malgré mon peu de puissance. Tu sais que j'ai gardé ta parole. Tu sais que j'ai gardé ta parole. Je n'ai pas renié ton nom. Je n'ai pas renié ton nom. Et tu as mis devant moi cette porte. Et tu as mis devant moi cette porte. Porte du mois de décembre. Porte du mois de décembre. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Père. Père. Que tous mes ennemis. Que tous mes ennemis. Tous les démons. Tous les démons. Les ancêtres déchus. Les ancêtres déchus. Les hôtels de famille. Les hôtels de famille. Les génies de mon village. Les génies de mon village. Sur le fondement de cette parole. Sur le fondement de cette parole. Ne plus jamais fermer cette porte. Parle. Rakabazo, Le premier mécanisme, il y a une première porte, qui est un premier battant. Et la deuxième porte, c'est le deuxième battant. Une fois qu'on a ouvert ces deux battants, il ne peut plus rien fermer. La Bible dit, Apocalypse chapitre 3, verset 20, on va le lire ensemble, Jésus 3 fois 1, 2, 3. Jésus. Bien-aimé, travaillez cette porte-là. Dès la fin de cette prière, je vous demande pardon, travaillez cette porte. On a fermé les autres portes, vous savez comment il faut le faire, mais qui ne ferme pas notre porte. Donc je vous donne les deux clés. Dis deux. Deux. Clés. Clés. Deux. Deux. Clés. Clés. Deux. Deux. Clés. Clés. Je vous demande pardon. Battons-nous pour qu'il ferme la porte. Qui ne fuit pas à notre clé. Jésus 3 fois 1, 2, 3. Jésus. 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 Sang de Jésus 3 fois 1, 2, 3. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Dis avec moi. Voici. Voici. Je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte. 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 J'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Je t'ouvre la porte de ma vie. 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 Prends ma vie. Prends ma vie. La porte de ma vie, Seigneur. La porte de ma vie, Seigneur. C'est ma nouvelle naissance. C'est ma nouvelle naissance. C'est ma conversion. C'est ma conversion. Oh Dieu. Oh Dieu. Pour ce mois de décembre. Pour ce mois de décembre. Et pour la nouvelle année. Et pour la nouvelle année. Que les fêtes. Que les fêtes. Que les amusements. Que les amusements. Que la distraction. Que la distraction. M'amène pas. M'amène pas. À fermer cette porte. Demande la grâce. Demande la grâce. Que la porte de ta vie soit ouverte. Que la porte de ta vie soit ouverte. Que tu aies toujours la clé en main. 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 Alléluia. Cette porte est maintenue par la repentance, donc par la confession. Amen. Pendant cette fête-là, confessez-vous. Parce qu'à la fête, on prend beaucoup de blessures. On a dit tout à l'heure, le rejet, la solitude, on est seul. Une année encore est passée, il n'y a pas de mari. Toutes ces choses peuvent nous faire fermer la bénédiction. Donc, si tu as la clé maintenant de la porte de ta vie, n'est-ce pas? Tu as bien compris? Métanoïa, conversion, repentance pour la maintenir ouverte. Cela est très important. La deuxième porte, elle est au ciel. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Une fois que la porte matérielle de ta vie est ouverte, il nous faut ouvrir le deuxième battant et alors la porte ne sera plus jamais fermée. Sang de Jésus 3 fois. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Feu du Saint-Esprit 3 fois. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Sang de Jésus 3 fois, 1, 2, 3. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Il dit cela, dit, lis avec moi la parole. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Que cette porte. Que cette porte. Qui est la porte de la grâce. Qui est la porte de la grâce. Et qui vient compléter. Et qui vient compléter. La porte de ma vie. La porte de ma vie. Qu'elle aussi. Elle aussi. Ne se ferme jamais. Ne se ferme jamais.
Pas de pied de main, prie. Prie le Seigneur. Que cette porte ne se ferme jamais. Parle. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Que cette porte ne se ferme jamais sur ta vie. La raba baba 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 baba. Reste ouvert pour ceux. Alléluia. Lève la main. Oh Dieu. Pendant que je maintiens ouvertes ces deux portes, je fais entrer dans ma vie maintenant. Je fais une entrée dans ma vie maintenant. Tous mes droits d'enfant de Dieu. Lève les mains. Sois le prophète de ta propre destinée. Parle maintenant sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Je suis le meilleur. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur ta vie. Je suis riche. La race Prophétise sur ta vie. Alléluia. Lève la main. La Bible nous donne un deuxième exemple de porte du ciel. Quand Jésus était en train d'être baptisé, le porte du ciel, une voix se fit entendre dans le ciel. Bien-aimé, que la porte de notre vie soit ouverte. Amen. Je vais vous donner une sorte de maxime pour le mois de décembre. Écrivez, c'est une déclaration. Si Dieu arrive à réussir en vous, il réussira pour vous. Amen. Si Dieu arrive à réussir en vous, il réussira pour vous. Amen. C'est le ministère des deux portes. Alors nous prenons nos psaumes 24 pour terminer. Nous allons proclamer le psaume 24, psaume des portes qui ne se ferment pas. Chacun prend son psaume, puis on se tourne vers les écrans. Parce que la terre nous appartient. Et c'est important, le psaume des portes ouvertes pour terminer. Le psaume des portes ouvertes, vous tous qui nous avez pris de cours sur Facebook, sur YouTube, la vidéo sera remise en direct tout à l'heure. Et vous pourrez recevoir cette prière-là, n'oubliez pas. Dieu en dehors du temps et de l'espace. Dieu n'habite pas le temps. L'éternité n'est pas le temps. Et cette vidéo, ce programme, cette liturgie agira en vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut tous avoir le psaume 24 dans nos mains pour programmer ensemble? Psaume 24. Et quand nous programmons ce psaume, voyons les portes totalement ouvertes. La jeune fille s'est souvenue de Rebecca. Waouh, Seigneur. Oui, ça, j'ai parlé de ça après, mais avec Rebecca aussi. Waouh. Lève la main droite. Jésus, 3 × 1 = 3. Jésus. Pendant que nous proclamons, et à ce psaume, c'est les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Est-ce que tu as compris le mécanisme de ce soir? Ce soir, la prière était une prière prophétique. Et si tu suis ce mécanisme, reprenez cette prière-là souvent. Pendant le mois de décembre aussi, pendant le premier mois de l'année, janvier, prenez cette prière. Vous allez vous en rendre compte que votre vie va toujours aller de l'avant. Vous n'allez pas perdre de grâce. Combien m'ont dit, ils ont commencé des cheminements. Au moment où le monsieur devait venir voir la petite mère, il a disparu. D'autres, au moment du mariage coutumier, il a disparu. Un même a fait la dot, il est parti jusqu'à présent, il n'est pas revenu. Mais qu'est-ce qui a fermé? Parce qu'elle a couché avec lui. Et il a filmé. Et donc, souvent, il dit, ah, tu me manques, et puis les deux s'envoient les photos. Il faut lui brûler ça, sinon ça sera fermé. C'est pas un jeu, ça. Jésus, 3 × 1 = 3. Jésus. Ensemble, à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde de ceux qui l'habitent, car il a fondé sur la mer et a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne du Seigneur? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la miséricorde du Dieu de son salut.
Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel des armées, voilà le roi de gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Amen. Je déclare pour vous tous qui êtes connectés, pour Philemona Semedo, pour Myriam Banessa, pour Nathalie Laure, Conan Madeleine, André Kofi, pour tous qui êtes connectés, les portes sont déclarées ouvertes pour décembre. Amen. Que vos dîmes, vos alliances financières, c'est le mois où on fait aussi beaucoup de monde. C'est le mois où on visite les parents aussi. Cela est très, très important. Le 24 décembre, ton papa, ta maman, l'homme qui t'a élevé, même si tu ne l'aimes pas, il doit manger ton poulet un peu. C'est le mois où on prépare aussi la nouvelle année, 1er janvier aussi, il faut envoyer quelque chose. Cela est très important. Si on ne peut pas te mettre très fort pour le Seigneur. N'oubliez pas la retraite du désert. Vous tous qui êtes connectés du 8 décembre au 10 décembre à la montagne du Christ libérateur, c'est seulement les cas pour lesquels on demande une contribution. Alors, ceux qui sont à l'extérieur du pays, votre contribution de cas, c'est sur vous qu'on compte. Voilà, vous êtes à Bengué, on compte sur vous, vous êtes en euros ou en dollars. Faites des efforts pour que on ait le maximum de cas. Donc, et puis aussi, votre offrande d'adoration pour vous. Pour ceux qui sont à l'extérieur, votre offrande pour les cas et votre offrande d'adoration est requise avant de vous connecter à la retraite parce que nous allons utiliser ça pour les connexions, pour tous les mouvements que nous allons faire pour que tout soit filmé. Le 24 décembre, de 21 à 6 heures, nous avons la grande veillée de la nativité. Normalement, c'est à cette veillée que tout le monde devait déposer son alliance financière parce que c'est la nuit de la nativité. C'est la nuit de l'exaucement. Et nous avons le 31 décembre, notre grande veillée, la saison, le thème, la saison de récupération. Voilà, c'est la nuit de la transaction spirituelle, la nuit de la récupération pour la nouvelle année. Et ça veut dire que le 30 décembre, nous allons faire des actes anciens, des actes mystiques à la Sainte Montagne pour tous ceux qui vont faire l'alliance financière, tous ceux qui vont bâtir l'autel de sacrifice. Et le 31, nous allons jubiler. Alors, ça peut vous pourvenir, ayez des talons longs comme ça, ayez des vestes, tout sera mis en place, il y aura des ventilateurs rafraîchissants pour qu'on n'ait pas trop chaud, il y aura aussi des maquis, des restaurants, pour qu'on fête bien. Et Dieu merci, on est loin d'Abidjan, loin des accidents, loin des embouteillages, loin de beaucoup de choses. Vous pouvez même prendre des chambres là-bas pour être en méditation, en prière. Et cela, Dieu vous le rendra. Je vous donne la bénédiction. Et n'oubliez pas, cette bénédiction vous accompagne pendant tout le mois de décembre. Pas de mort prématurée. Même si Dieu a pris une de nos intercesseuses, il va prier pour nous. Et je voudrais insister là-dessus aussi, à ne pas mettre dans les informations. Le 16 décembre, nous aurons la Panaki d'ici. Le jeudi, c'est ça? Non, le jeudi avant le 16. Le 16, c'est l'enterrement au cimetière de Yopougon. Mais le jeudi, donc, soyons tous là, soyons nombreux. Alors, l'équipe d'intendance générale va demander vos contributions, s'il vous plaît, soyez gentils. Je ne crois pas qu'on doit vous appeler plusieurs fois pour ça. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas donné 5 francs pour le décès de ceux qui sont partis. Bon, chacun a son plan de vie. Mais je veux vraiment vous demander, si notre sœur était avec nous, il y a eu quelques erreurs au niveau de la santé, il y a des conseils qu'elle n'a pas suivis. Et donc, Dieu l'a repris. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous croyons qu'elle est dans les bras du Seigneur. Parce que nous avons témoignage que c'est une bonne femme. Alléluia. Amen. Voilà, c'est très, 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 très important. Donc, le jeudi, nous aurons la Panakite. Le jeudi, avant le 16, et le 16, ici. À Basile. Et le 16, nous aurons la levée à la chapelle de Yopougon, à cette Marie l'Égyptienne. Voilà, puisque l'enterrement va se faire au cimetière de Yopougon. Donc jeudi ici, samedi tous, très tôt, on fait tout pour arriver à Yopougon pour participer à cette deuxième panikide avec la levée des corps
etc. Je vous bénis, vous tous qui êtes connectés, et que la grâce de Dieu prions le Seigneur. Je vous donne donc pour le premier jour du mois de décembre la bénédiction solennelle. Les portes bonnes sont ouvertes. Tu as compris comment les maintenir. Et tout à l'heure, ta prière a fermé les mauvaises portes. Ne les ouvre plus jamais. Amen. Ne les ouvre plus jamais. Si tu as vu que la serrure de ces mauvaises portes commence à être gâtée, à cause de ton caractère, répands-toi, l'ange va cimenter. Alléluia. Amen. Que le Christ, notre vrai Dieu, qui est ressuscité des morts par les prières de sa sainte mère, toute pure et toute irréprochable, par la puissance de la précieuse et vivifiante croix, par la protection des vénérables puissances célestes et incorporelles, par les prières du saint, glorieux et vénérable prophète et précurseur Jean-Baptiste, des saints glorieux et illustres apôtres, des saints glorieux. Waouh, les pères là, regardez comment ils ont fait le Seigneur. On n'écarte pas ça comme ça. Excusez-moi, mais là, c'est dans l'écran que j'ai vu que ce n'est pas normal. Des saints glorieux et victorieux martyrs, de nos saints pères Théophore, de Basile, patron de cette église, des saints justes aïeux de Dieu, Joachim et Anne, de tous les saints de ce jour dont nous célébrons la mémoire, de notre Père parmi les saints, Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, dont nous avons célébré la liturgie, et de tous les saints dont nos saints regardent, que le Seigneur ait pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes. Et que la Sainte Trinité vous garde tous. Amen. Je veux que tu puisses célébrer ton triomphe en ce mois de décembre. Acclame le Seigneur, parce que c'est le niveau des acclamations que tu vas recevoir. Si tu crois, cela arrive. Si tu ne crois pas, cela n'arrive pas. Il te sera fait toujours, toujours selon ta foi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni des jours ni des nuits afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Isaïe 60, verset 11. De 3h30 à 0h30. Célébrant Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia, Révérend Père Jean-Claude Banabia Chia et le Révérend Père Mathias Ngora Chia en direct sur Facebook Live et YouTube 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12. La divine liturgie d'ouverture des portes du mois. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, exarchate de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse cathédrale Théotokos organise la divine liturgie d'ouverture des portes du mois. Thème, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni des jours ni des nuits afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Isaïe 60, verset 11. 3h30 à 0h30. Célébrant Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia, Révérend Père Jean-Claude Banabia Chia et le Révérend Père Mathias Ngora Chia.